Aujourd'hui, on a une obligation d'utiliser pour soigner nos plantations, comme pour l'humain, des médicaments. Il faut faire confiance aux agriculteurs qui ont des formations. L'agriculteur n'utilise pas les produits phytopharmaceutiques pour son bon plaisir. Il peut se mettre en danger s'il ne les utilise pas dans les bonnes conditions. Deux, c'est quand même un coût assez important sur les coûts de production. On a aujourd'hui une obligation de ne pas laisser orphelins des productions pour traiter soit les plantes, soit les animaux, pour pas non plus créer de distorsion de concurrence avec des autres pays, et j'allais dire quelque part, pas si lointain que ça, au niveau de l'Europe. Nous, ce qu'on demande à la coordination rurale, c'est que tout produit agricole qui rentre sur notre territoire français corresponde aux mêmes normes. Les contrôles au niveau des frontières ne sont pas suffisants, ce qui, malheureusement, créer de nouveaux ravageurs sur le territoire, et de plus en plus il va falloir avoir une gestion la plus complète possible, et surtout ce que nous demandons nous à la CR, c'est avoir une réactivité lorsque sur le territoire on localise ce ravageur pour essayer d'enrayer. À la CR, nous avons une intime conviction, il est urgent d'harmoniser au niveau européen la politique sanitaire tant végétale qu'animale.